Bah écoutez, on a quand même analysé le jeu lyonnais aussi, parce que c'est intéressant quand même, même si on ne doit pas trop se précipiter dans l'équipe adverse, il faut quand même analyser le jeu de l'équipe adverse. Et c'est une équipe qui a souvent marqué dans les 20 premières minutes. Souvent, quand elle a marqué dans les 20 premières minutes, elle n'a jamais perdu un match, surtout à l'extérieur. Donc il fallait quand même jouer dans ces 20 premières minutes, mais surtout être très bien équilibré défensivement. On a plus ou moins tenu ces 45 premières minutes qui nous a mis plus ou moins en confiance, mais la deuxième mi-temps, on est rentré vraiment très mou dans cette deuxième mi-temps, malheureusement. On a pris un but, je pense que c'est un déclic aussi, des fois c'est un bien. Ou un mal pour un bien pour un mal, mais là ça nous a fait du bien, ça nous a réveillé, ça nous a stimulé. Bon, et le mérite, tant soit peu depuis le début de l'année où je suis moi avec cette équipe-là, je trouve qu'il y a un état d'esprit formidable. On a confiance en Adrian et de toute manière, comme j'ai dit aujourd'hui, j'ai pas envie de retenir de nom. Aujourd'hui, c'est l'équipe et tout le monde a fait gagner le club. J'ai pas envie de parler d'un seul joueur. Adrian est très bien ici, mais aujourd'hui, c'est le club et toute l'équipe qui a fait le match. Il fallait un peu de temps pour que je m'adapte et que je comprenne le jeu de mes partenaires. Je pense que ça se passe de mieux en mieux. J'ai commencé à marquer plus souvent, c'est bien pour moi et pour l'équipe. J'espère que ça va continuer comme ça. Peur? Non, je n'ai pas eu peur. Je me suis concentré. Pour être honnête, j'ai pensé à retenter une Panenka, mais j'ai changé d'avis. Je n'ai pas eu le courage de retirer de la même façon. Not gonna do. I don't have courage to shoot again like that.